Anecdote numéro 1. Il n'avait pas un physique facile. Bon, disons que physiquement, Balzac était plus proche de Jacques Villeray que de Leonardo DiCaprio. Il n'était pas grand, 1m62, pas vraiment svelte non plus, mais c'était un séducteur. Honoré de Balzac avait un esprit et un charisme tel que dès qu'on se trouvait en sa présence, on oubliait son physique. Il a d'ailleurs eu toute sa vie un grand succès auprès de la gente féminine. Anecdote numéro 2, il était fauché. Il a même failli aller en prison à cause de ses dettes. Balzac commence sa carrière d'écrivain avec l'équivalent de 200 000 euros de dettes. Heureusement, avec ce qu'il a vendu de son vivant, il a dû terminer sa vie très riche. Eh bien, pas du tout, Jean-Michel. Acheteur compulsif et piètre entrepreneur, Balzac empire même sa situation financière. À sa mort, ses dettes se montaient à près de 300 000 euros. Notre pauvre Honoré a eu les huissiers aux fesses toute sa vie. Anecdote numéro 3. Honoré de Balzac était filou. Qui dit art, dit mensonge, écrivait-il. Et s'il n'était pas un vrai menteur, il n'était pas contre un petit détournement de vérité de temps en temps, si ça pouvait le servir. Par exemple, le jour où une lettre compromettante fut interceptée par le mari de la comtesse Anska, avec qui Balzac entretenait une liaison enflammée. Gênant. Mais Balzac réussit à lui faire croire que ce n'était qu'un jeu littéraire entre eux, et que d'ailleurs sa femme, entrant dans une colère folle, y avait mis un terme. Il plaide sa cause auprès du mari, lui demandant même de calmer son épouse pour reprendre la correspondance là où elle en était. Filou, on vous a dit. Anecdote numéro 4, Honoré était accro au café. Merci, une autre. On dit qu'il en buvait jusqu'à 50 tasses par jour, et pas du jus de chaussette. Il aimait son café très épais, très concentré, un peu comme un café turc. Car, disait-il, ça lui permettait de nourrir son imagination. Et même si à la fin de sa vie, il en avait tant bu qu'il disait que cela ne lui faisait plus aucun effet, le café lui a permis d'écrire pas moins de 91 romans et d'imaginer plus de 2500 personnages. Pour résumer, Balzac n'était pas un canon de beauté, il était fauché, un peu filou et accro au café. Bon, sur le papier, c'était pas gagné hein, pour Honoré. Heureusement, il avait du talent. Et quel talent ! Honoré de Balzac est aujourd'hui encore le maître incontesté du roman réaliste français.